Élisabeth II, un joyeux luron, l'anecdote hilarante d'un ancien employé de la reine. Élisabeth II est une reine aimée et admirée par les Britanniques. La reine d'Angleterre était connue pour sa poigne, mais également pour son sens de l'humour. Un ancien employé a d'ailleurs partagé une anecdote hilarante de la reine. Élisabeth II d'Angleterre était toujours détendue et amusante, selon un ancien chef de la poste du palais. Nick Delaney ne tarit pas d'éloge concernant la défunte reine Élisabeth II d'Angleterre et le prince Philippe. Élisabeth II s'était prêtée à un jeu déloyal, mais extrêmement amusant avec Delaney. Nick Delaney a travaillé à la Royal Mail dès l'âge de 16 ans, confie-t-il à Elle Irish Mirror. Rapporte The Mirror mentionne dans son article du 6 décembre 2022 que Nick Delaney a raconté avec tendresse combien la reine Elizabeth et le prince Philippe aussi d'ailleurs, était si normal à bien des égards. Monsieur Delaney a travaillé au palais de Buckingham pendant 19 ans et en a gardé de très bons souvenirs. Je n'ai pas un seul mot négatif à dire sur la reine ou le prince Philippe, a-t-il confié. Il a expliqué comment la reine Élisabeth II d'Angleterre était une vraie travailleuse et combien elle était méticuleuse dans tout ce qu'elle faisait. Delaney a également confié que la défunte reine pouvait se souvenir des visages qu'elle rencontrait des années plus tard. Elle pouvait lire dans une pièce en quelques instants et faisait des recherches sur tout le monde pour pouvoir leur parler avec aisance. A mentionné Nick Delaney, si elle vous rencontrait dans 2 ans, elle vous poserait des questions sur votre famille. Elle ne semblait jamais oublier, s'est-il souvenu. Élisabeth II, la reine d'Angleterre était une reine très drôle. Nick Delaney a raconté une anecdote selon laquelle la reine Élisabeth l'a giflée avec une cuillère. Delaney était alors dans la maison de campagne du duc de Westminster. Tout le personnel était en bas en train de prendre le thé et de discuter. Un policier de la reine a commencé à leur parler d'un jeu auquel Sa Majesté avait l'habitude de jouer. Votre Majesté, vous souvenez-vous de ce jeu avec la cuillère ? Élisabeth II avait répondu oui et avait demandé si le policier voulait qu'elle joue au jeu de la cuillère avec le postier. La reine Élisabeth II d'Angleterre s'est alors assise sur une chaise et Monsieur Delaney est passé derrière elle pour frapper sa tête avec la cuillère qu'il avait mise dans sa bouche. Ensuite, c'était mon tour. Elle a marché autour de moi et m'a frappé sur la tête avec la cuillère qu'elle tenait dans sa main, raconte-t-il. Tout le monde dans la pièce s'est mis à rire. Nick Delaney avait réalisé après quelques instants qu'il était en train de se faire gifler avec une cuillère par la reine.